Et bah allons-y pour Atomine. Alors c'est sorti le 4 mai sur Steam au prix de 10€. Ça a l'air d'être un twin stick shooter dans ce qu'on peut trouver par exemple sur Tiger. Ça a l'air. Après dans tout ce qui est direction artistique, etc. Aucun rapport, zéro rapport, on est plus. On est dans un environnement vraiment virtuel apparemment. Comme si on contrôlait, je sais pas, un antivirus ou une merde. Sélectionner joueur, alors je n'ai pas le choix. Ah, est-ce que le jeu, excusez-moi, je vais juste couper l'image 2 secondes. Ouais, le jeu est en version définitive, hein. Ce n'est pas du early access. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Ah, je choisis celui-là. Après, ça se trouve, ça n'a aucun rapport, hein. Je dis de la merde. Non, c'est carrément ça. J'ai l'impression que je suis un antivirus et je dois niquer les bâtards. Je peux penser un peu au mode piratage de Nier. Elle colle bien, oh la vache. Oh, ta VA est tellement chouette. Elle tire pas loin en fait. Voilà, faut tuer tous les ennemis dans la zone, apparemment c'est le. C'est le. On a la en bas droite, vous voyez la piste en bas à gauche ou en bas derrière. Son du jeu fort. Hop, voilà. Ah, faut pas hésiter à me le dire. Merci. Ok. Ah, rejouer, bon bah voilà. Salut Oufeuse, à tous, bonne journée, merci d'être passé. Je refais le même niveau. Casser un truc, je sais pas ce que c'est. Je comprends pas tout ce que je fais, à part défoncer des mecs. Ok, je défonce des mecs et je passe au niveau suivant. Bon. Ah. C'est un jeu ou quoi? C'est des niveaux différents à chaque fois. Serait-ce ce qu'on appelle communément un roguelike? Vous savez, ce genre de jeu qui. Enfin, on a l'impression de bouffer que ça depuis des années. Ce que j'aime bien. Hein. Alors, ils sont mignons, bouffeuses et facalis. Ah, ça, c'est une bombe, d'accord. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Apparemment en haut à gauche c'est ma vie, le 7 sur 8. Est-ce que tu pourrais décéder s'il te plaît? Merci. C'est quoi ça? Ça me gratte le nez. Un peu comme toi hier. Rachel. Ah, il me reste 6 ennemis à déglinguer. Mais le jeu a une bonne gueule, j'aime bien. Ah, ils sont là, d'accord. Ah là là. Non, ma vie, c'est pas ça. Alors, je ne sais pas où est ma vie. Je ne sais pas trop où est ma vie, en fait. Ok. Ah,
apparemment c'est un firewall que je suis en train de passer, c'est bizarre. Mais ouais, vu ce que t'aimes bien, Rachel, je te conseillerais plutôt Hotline Miami quand même. Parce que c'est pareil, mais sauf que c'est en plus speed et vachement plus gore. Et je crois savoir que tu aimes bien quand c'est un peu dégueulasse. C'est peut-être ma vie quand même, hein, le 5 sur 8. Bah ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça, ça gratte le nez, mais c'est une catastrophe. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, tu vas mourir, mais c'est pas vrai. Ah, je regagne de la vie, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, ils me font vraiment chier. En max de life. Apparemment il est bien dur. Ah bah oui. En même temps, pourquoi on jouerait un jeu facile en même temps? Hein? En même temps, en même temps. Apparemment il y a une sorte de passage secret là. Alors, sélectionne deux bonus. Vitesse du joueur augmente, énergie vaut double. Ouais, à un moment donné, ouais. C'est tellement de jeux de prévus pour ça, tranquille. Quand t'as Miami, on a deux à faire, les deux sont très bien. C'est bien fumé, le scénar est totalement baisé. Totalement baisé du cerveau, le scénar. Bon. Voilà. Vous voyez, ça devient, comme c'est speed et qu'on n'a pas beaucoup de vie, ça devient vite technique, il faut vraiment faire gaffe. Comment on va les baiser, les mecs. Nice. Oula, apparemment il y a un boss là. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, il tire moins loin, mais il tire en trois directions différentes. Faut savoir ce qu'on voit dans la vie, apparemment. Oh merde, bâtard. Oh merde, bâtard. On peut vite se faire déborder là. Ils ne suivent pas très loin, hein, donc peut-être pas en fait. Ok. Je sais pas pourquoi je peux pas jouer au clavier souris. Hein, au clavier Miami, clavier souris, ça marche très très bien. Ça marche au poil de cul. Hein. Comme un boss ou s'il y a un vrai boss qui m'attend, j'aimerais bien savoir. Putain, je tire pas loin, ça fait chier. On reste un ennemi, on va bientôt le savoir. Ah, c'est rouge, à mon avis, ça va manquer au boss, non? Oui.
Eh, il fait penser au vieux dans Fury. Ah, Fury, c'est de la bonne aussi, Rage. Ah, le vieux dans Fury avec ses putains de pieds de merde là. Il me fait péter un peu. C'est le boss de la patience en fait. C'est un peu pareil là. Ah, ta mère! 1,5 sur 9. Ah ouais, mais je vais complètement décéder. En tout cas, on aura eu un bon aperçu du jeu. T'as combien de life sinon le boss? Ah ouais, mais sa barre de vie est en bas à droite. Ah ouais, mais va te faire enculer le jeu. Ok. Ça ira. C'était donc Atomin, un Twin Stick Shooter disponible à 10€ sur Steam depuis le 4 mai, c'est sympathique. Pas mal, pas mal. C'est votre trip. Voilà. Bon après, comme je dis à chaque fois, on est là pour gratter la surface des choses. On n'est pas là pour aller dans au profond de. Voilà. Je suis pas là pour faire une coloscopie quoi, je suis là pour titiller l'anus seulement. En tout cas, c'était pas mal. Il nous reste un dernier jeu.